Salut à tous et bienvenue sur Twitch pour ce cours de création de site sur Wix. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, mis à part qu'on est confinés tous, bloqués, cloîtrés chez soi, mais mis à part ça, tout va bien, j'ai réussi à mettre en place un système qui va me permettre de continuer à donner les cours, à dispenser les enseignements dans les meilleures conditions possibles. Quelques petites précisions avant qu'on démarre ce cours. La première des choses, c'est que on va donc travailler à distance sur des enseignements. Donc je vais diffuser des vidéos comme ça où je vais vous donner le déroulé des cours. Ces vidéos, elles sont pas faites en live pour l'instant parce que j'ai jugé que c'était plus pertinent de les faire en décalé. Comme ça me permet en fait, en parallèle de la diffusion des vidéos, de répondre à vos questions. Pour l'instant, ces vidéos, elles sont accessibles uniquement sur les temps de cours, donc c'est-à-dire en gros les plages de cours sur lesquelles vous devez absolument être présent pour pouvoir suivre le cours. On verra après, peut-être que je les garderai, peut-être que je les rediffuserai, mais en tout cas pour l'instant, je vous invite vraiment à être présent sur les créneaux qu'on a définis en cours parce que bah, c'est en fait là où je vais vous donner tout le contenu. La deuxième chose qui est importante à noter, c'est qu'il est indispensable pour vous que vous preniez un document Word comme moi j'ai fait là que j'ai sous les yeux et que vous notiez en fait les éléments que je vais vous donner. Ça change pas d'habitude, c'est-à-dire que s'il y a des notions très importantes ou des choses dont vous allez avoir besoin pour la suite, je vais vous dire ça, notez-le. Si jamais il y a des choses qui vont tomber dans un contrôle ou dans une étude de cas, je vais également appuyer sur ces points-là en disant c'est indispensable, vous devez le savoir. Le gros avantage de Twitch et de cette diffusion en streaming, c'est que je vais pouvoir, du coup, là vous voyez, vous me voyez en tout petit, je vais pouvoir vous diffuser les éléments, les screenshots, etc. Donc c'est plutôt pas mal et je trouve que c'est plutôt quali comme système, mais ce sera aussi à vous de me faire vos retours. En parlant de retour, vous allez pouvoir diffuser vos commentaires sur le groupe Discord et également en commentaire en live sur le Twitch. Je suis encore en train de me familiariser avec les outils, donc tout sera peut-être pas parfait du premier coup, mais en tout cas, je vais essayer de faire au mieux et puis je suis ouvert à vos retours pour essayer d'améliorer le système. Alors, une fois donc je vous ai dit de noter les éléments et je vous ai dit qu'effectivement ça pourrait tomber dans un contrôle ou dans une étude de cas. On avait un contrôle de prévu vendredi prochain, vous vous doutez bien que ce contrôle-là, bah, en fait, je ne vais pas pouvoir le faire pour une raison d'équité, parce qu'en fait, si j'envoie le sujet, vous pouvez vous le faire passer et tout, enfin, bah, c'est pas du tout pertinent dans cette config-là. Mais c'est pas très grave parce que je suis pas ultra fan des interros de connaissances parce qu'effectivement ça juge de votre apprentissage par cœur, mais il y a mille et une manières de passer outre le truc. Donc du coup on va modifier un peu la méthode. On va faire une étude de cas en fait. Je vais vous donner une étude de cas comme je vous ai envoyé par mail hier. Qu'il va falloir que vous fassiez, que vous produisiez, que vous créez. Cette étude de cas sera évidemment individuelle. Et du coup, je récupérerai les études de cas et puis je les noterai. Et ces études de cas porteront donc sur ce qu'on va faire aujourd'hui, donc sur le référencement et sur l'ensemble des éléments de cours qu'on a vus ensemble sur la création de site. Peut-être également sur d'autres éléments avec des documents à l'appui qui vont plutôt favoriser votre capacité d'analyse, de réflexion, etc. Voilà, je vous prépare ça et puis ce sera sûrement disponible. Je vous l'enverrai sûrement par la mailing list et ce sera probablement disponible dans les prochains jours. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, la première chose, c'est que je vais vous afficher le plan pour cette heure de cours. Et une fois que je vous ai affiché le plan, on va le voir ensemble. Et on va attaquer tout de suite. Alors, la première des choses qu'on va voir ensemble, c'est finalement qu'est-ce que le référencement. On avait vu la définition ensemble, donc je vais vous la redonner si vous ne l'aviez pas notée. Il est important vraiment de la noter. Vous pourrez la voir également sur Wikipédia si vous cherchez. Je vais vous redonner tout ça. On va faire la différence aussi entre le SEO et le SEA, parce qu'il y a une question que vous m'avez pas mal posée en cours qui est
comment je fais pour que mon site il se retrouve sur la première page de Google? Alors, ça dépend, it depends. Donc, il va falloir qu'on redéfinisse et qu'on regarde un peu tout ça. Ensuite, on va parler d'une chose qui est de plus en plus, qui se développe de plus en plus en ce moment, c'est le référencement local. Le référencement local et notamment la géolocalisation pour avoir des services de proximité. On va parler ensuite du nom de domaine et de l'importance du référencement par rapport au nom de domaine. De la stratégie inbound marketing, je vais revenir là-dessus parce que c'est des choses dont je vous avais déjà un peu parlé, mais on va les appuyer aujourd'hui. Ensuite, on va parler des méthodes de classement, de classification en fait d'un site web dans les résultats de recherche. On va manipuler en cinquièmement un petit peu sur Wix. Il est possible d'ailleurs que j'ai pas le temps de tout traiter en 1 heure, mais c'est pas grave. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va basculer sur des outils qui sont Analytics et Google AdWords, qui sont des outils qui sont très performants pour le SEO, SEA. C'est des outils que vous allez probablement manipuler en stage si jamais vous faites un stage dans le marketing digital. C'est des outils et des compétences qui sont très recherchées, notamment dans le domaine du digital. Et effectivement, c'est valorisé assez bien. D'un point de vue métier, d'un point de vue compétence et d'un point de vue salaire. Voilà, donc on voit tout ça ensemble. Et une fois qu'on aura détaillé tout ça ensemble, on sera sensiblement, normalement, sur la fin de l'heure. J'ajusterai le temps en fonction de la durée que ça prend. Et je répondrai à vos questions sur Discord. Et je serai là également sur la deuxième partie pour le travail de conception de vos sites web. Avant de démarrer, je vous rappelle également que vous avez donc votre site web pardon, à rendre pour le 20 avril. Je vais, dans les temps de cours, comme c'était prévu initialement, répondre à vos demandes et à vos requêtes par rapport à la création de votre site Wix. On va avoir des temps de cours qui sont prévus pour ça. Donc ne m'envoyez pas des mails genre 2 jours avant parce que bah, en fait, j'y répondrai pas. Ça, c'est exactement pareil qu'en cours. Par contre, le gros avantage que l'on a là, c'est que du coup, je vais passer 1 heure entière à chaque fois sur Discord et si vous avez des questions, je pourrai soit vous répondre en direct, soit éventuellement pour le prochain cours vous montrer des manipulations spécifiques par rapport à ce que vous cherchez, à ce que vous souhaitez faire. Voilà, c'est le gros avantage de Twitch et de Discord. Bien, alors on y va. Du coup, on va commencer avec la définition du référencement. La première chose que vous pouvez noter, c'est que le référencement, en fait, c'est la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche. Donc, je vous laisse noter cette définition. Le référencement est la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que lorsque je vais sur un moteur de recherche, tac, donc admettons, je vais aller sur Google. Hop. Sur Google, je vais taper en fait une requête. Donc une requête, c'est quoi? C'est un mot-clé que je mets dans la barre de recherche. Donc par exemple, je tape voiture, voiture électrique, voiture d'occasion. Allez, voiture d'occasion. Et donc du coup, je vais avoir en fait ici toute une série de résultats en fonction de ce que Google semble le plus pertinent par rapport à ma recherche. Alors, au tout début, il se basait sur les mots-clés qu'on avait dans le site web. C'est-à-dire, en gros, il identifiait les mots qu'il y avait sur le site web et il se disait, tiens, voiture d'occasion, j'ai un lexique, ça a l'air de matcher avec, avec les mots-clés de ce site, donc je vais mettre ce site plutôt prioritairement par rapport aux autres. Petit à petit, l'algorithme de Google a évolué parce que, en fait, à l'époque, il y a des petits filous qui avaient compris que, en fait, il suffisait que je mette tous les mots-clés possibles et inimaginables dans mon site web pour que celui-ci remonte sur les résultats de Google. Et donc, du coup, c'était futé. Ça permettait de remonter très facilement, très rapidement sur les moteurs de recherche. Si bien qu'il y en a pas mal qui en ont profité à une certaine époque. Ensuite, il y a les algorithmes qui se sont complexifiés afin de proposer des résultats de recherche qui sont plutôt cohérents avec, premièrement, effectivement, la thématique, mais aussi le type de contenu et tout un tas de choses inhérentes au site web. Et petit à petit, ça a évolué. Maintenant, on est encore plus précis dans les résultats, puisqu'on se sert également
de la géolocalisation et des résultats de proximité pour pouvoir vous proposer les meilleurs résultats possibles en fonction de vos besoins. Si par exemple je cherche coiffeur, il est évident que je ne vais pas aller à Marseille pour trouver un coiffeur. Donc du coup, il me propose tout de suite dans ma requête coiffeur Versailles. Et si je tape coiffeur tout court, il va sûrement me proposer des coiffeurs qui sont à Versailles. Voilà, parce que moi je suis basé à Versailles. Donc il me propose le coiffeur qui est rue des Chantiers, qui est en fait le coiffeur le plus proche de chez moi. Voilà, donc du coup, le référencement, c'est ça en fait, c'est la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche. Alors, pourquoi est-ce important d'être bien référencé sur les moteurs de recherche et notamment sur Google? Il faut savoir que Google, c'est... et ben, d'ailleurs, je ne vais pas vous donner un chiffre faux. Tac, j'aimerais bien voir... Hop. Le moteur de recherche Google américain est un mastodonte incontournable et réalise près de 95% des recherches des internautes français. Ça veut dire en fait que lorsque je veux faire une recherche sur Google, enfin pardon, lorsque je veux aller sur un site internet ou lorsque je veux accéder à un site internet, il y a plusieurs manières de faire. La première manière, ça va être en fait d'écrire l'URL. L'URL, donc par exemple, je vais aller sur mon site de formation, je vais taper l'URL http://www.formateur-digital.com/. Aujourd'hui, la problématique de ça, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui se servent de la barre d'URL pour pouvoir taper leur recherche. En fait, ils se servent des moteurs de recherche. Là, par exemple, si je tape formation en ligne, évidemment, ça va me sortir des résultats. Et parce qu'en fait, ici, je n'utilise pas la barre de recherche pour taper une URL, je l'utilise pour faire une recherche sur Google. D'ailleurs, on le voit bien ici, il y a marqué Google Search, c'est-à-dire que je suis en train de faire une recherche en ligne. Voilà. Aujourd'hui, 95% des gens qui font des recherches passent par Google. Donc forcément, si vous souhaitez que les personnes aillent sur votre site, il y aura plusieurs méthodes. La première, c'est qu'ils y accèdent par les réseaux sociaux. La deuxième, c'est qu'ils y accèdent par un moteur de recherche, donc par Google. Et la troisième, c'est que vous ayez un lien, soit sur vos plaquettes et vos dépliants par l'intermédiaire d'une URL ou d'un QR code, soit sur la signature de vos mails ou par exemple de votre campagne de communication. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas 36 moyens d'accéder à un site web. Il y a les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et ensuite les documents, les supports de communication que vous allez envoyer. Donc il y a une véritable importance pour un site d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Alors du coup, hop, je vais rebasculer, je vais remettre ça juste bien proprement parce que sinon c'est le bazar. Alors, du coup, on fait la distinction entre deux notions. On fait la distinction entre ce qu'on appelle le SEO et le SEA. Donc ça, c'est des définitions. Vous allez évidemment les noter. Le SEO signifie Search Engine Optimization. Donc je vais vous l'écrire ici. Hop, SEO, c'est Search Engine Optimization. Je crois ça avec un Z. Et SEA, c'est Search Engine Advertising. Donc, c'est quoi le SEO? C'est quoi le SEA? Le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement gratuit ou organique. C'est-à-dire en fait que là, j'ai tapé tout à l'heure formation en ligne. Il y a ici toute une série de résultats. Donc Google a décidé que ces sites étaient les plus pertinents pour les mettre en priorité, pour les classer. C'est-à-dire que par exemple, il me met Diploméo en premier résultat, ensuite il me met le site du CNED, ensuite il me met l'étudiant. En fait, Google a défini en fonction... Voici les principaux résultats de recherche. Oui, tais-toi. Alors forcément, oui, c'est Google. Parce que j'ai OK Google qui est activé. Donc Google a défini en fonction d'un certain nombre d'éléments les sites qui sont les plus pertinents pour définir une classification de ces sites. Diploméo, le CNED n'ont rien payé ici pour apparaître sur Google en première page. Ils font partie de ce qu'on appelle un résultat organique.
Ça, vous pouvez le noter, le résultat organique, c'est la classification des sites de manière organique, c'est-à-dire sans publicité en fait. C'est Google qui a décidé d'identifier ces sites-là et de les mettre en ligne. De l'autre côté, on a donc ça, c'est le référencement naturel ou SEO. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les annonces. Les annonces, en fait, elles sont ici. C'est là, d'ailleurs, ce qui arrive en toute première page. Hop, excusez-moi, tac. C'est ce qui arrive en toute première page. Et donc, les annonces qu'on a ici, en fait, on a ici l'annonce de 360 Learning, on a ici l'annonce de Good Habits, on a ici l'annonce de Yonix. Alors, c'est marrant parce que ces sites, on n'en a jamais vraiment entendu parler, on ne sait pas d'où ils viennent. En fait, ce sont des annonces, c'est-à-dire ce sont des sites qui ont payé Google, qui ont payé la plateforme pour apparaître en première page. C'est ce qu'on appelle du référencement SEA, Search Engine Advertising. Ce référencement SEA, on le retrouve sur énormément, énormément de plateformes telles que les moteurs de recherche. Vous en avez sur Google, vous en avez sur Yahoo, vous en avez sur Bing, mais également tout ce qui est réseaux sociaux, donc réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., etc. Ces plateformes-là, elles ont payé en fait la plateforme pour pouvoir apparaître en première page. Alors, il y a des différences en fait, c'est-à-dire qu'on ne paye pas forcément pour apparaître, des fois on paye pour apparaître, et des fois on paye juste lorsque l'utilisateur va cliquer sur l'annonce. Ça, on va le voir en deuxième partie, du coup, sur la partie ici, les outils, mesures SEO, SIA. Donc, voici la différence entre le SEO et le SIA. Je rappelle, d'un côté, le SEO, c'est-à-dire le référencement organique. Le moteur de recherche me propose des résultats de recherche en fonction de la pertinence des sites. Et de l'autre côté, on a le SEA. Le moteur de recherche me propose des résultats de recherche en fonction de, du coût que je vais induire sur mon site web. C'est purement et simplement de la publicité. C'est-à-dire que dans un des cas, on est sur un annuaire, en fait. C'est le système qui est similaire à l'annuaire. Dans l'autre des cas, on est sur de l'annonce, donc on est sur de la diffusion publicitaire. Voilà. C'est très important de bien distinguer ça. Parce que, en fait, dans un des cas, les résultats vont répondre à une pertinence du dispositif. Le site va être pertinent avec la recherche. Dans l'autre, ça va être pertinent aussi. Et Google a tout intérêt à ce que ce soit pertinent. Sinon, ça veut dire que quand vous allez cliquer sur, je sais pas moi, formation l'initié, que vous tombez sur un autre site qui n'a rien à voir, en fait, vous allez forcément plus cliquer sur les annonces. Et donc, du coup, forcément, Google va perdre des annonceurs comme ça. Donc, il faut que ce soit pertinent, mais il faut savoir qu'ils ont payé la plateforme pour être en première position. Hein. Donc, du coup, ils sont peut-être pas aussi pertinents que, par exemple, le premier lien organique qu'on a, qui est en fait le site MyBook. Voilà. Passons maintenant à la troisième partie, qui est le référencement local. Je vous en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Le référencement local, c'est tout simplement en fait une stratégie de référencement qui vise à s'inscrire dans une proximité, dans un lieu et dans une géolocalisation. Ça va jouer parce qu'effectivement, si vous décidez de mettre en place un site marchand, vous travaillez dans votre entreprise ou par exemple vous travaillez sur le site de votre BDE pour la prochaine soirée étudiante et que vous souhaitez je sais pas moi, les techniques de commercialisation de Paris ou les GACO de Marne-la-Vallée puissent venir à votre événement, en tout cas puissent avoir l'information de votre événement, ça va être pertinent de mettre en place un système de référencement local, puisqu'en fait, quand ils vont taper soirée GACO, les soirées qui sont en Île-de-France vont tomber et donc du coup, ils pourront avoir l'information. Plus on va avancer, plus il va y avoir ce système de référencement et ce ciblage précis pour que vous puissiez toucher votre cible. Un petit point avant qu'on termine sur cette partie-là qui est en fait le référencement. Aujourd'hui, je veux être en première page de Google, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour la simple et bonne raison que être en première page de Google,
Je peux être en première page sur une localisation. Je peux être en première page sur un mot-clé et une localisation. Je peux être en première page sur une série de mots-clés. Je peux être en première page sur un ensemble, une phrase. Enfin, ça veut rien dire. Je peux être en première page sur du SEA. Donc, ça signifie en fait que être en première page de Google, c'est relatif à ce que vous souhaitez mettre en évidence, à comment vous êtes référencé. Et en plus de ça, c'est pas forcément ça qui va vous amener le plus de conversions. Je m'explique. Vous avez par exemple un site de wedding planner. Ce site de wedding planner, vous le référencez de façon à ce qu'il soit en première page sur Google quand on tape wedding planner. Wedding planner, c'est un mot qui est très générique, donc c'est un mot qui est assez demandé et qui a son importance, qui coûte cher. Ça veut dire que si jamais tout le monde qui cherche wedding planner tombe sur votre site, bah vous allez peut-être avoir effectivement potentiellement des clients, mais vous allez avoir aussi des demandes de stage, vous allez avoir du spam, vous allez avoir tout un tas de choses. Donc, on a tout intérêt en fait à cibler le référencement à ma première cible qui en fait cherche des wedding planners pour organiser leur mariage. Et c'est ça qui va améliorer ma conversion. Voilà. Du coup, forcément, moins de demandes mais plus qualifiées, j'aurai moins de traitements à faire, donc ce sera plus léger et donc je convertirai mieux, je gagnerai plus d'argent de manière plus intelligente. Bien, passons maintenant sur le nom de domaine du site web. Alors, le nom de domaine du site web, donc je vous mets, je vais masquer hop, la capture d'écran et on va basculer sur le nom de domaine. C'est parti. Le nom de domaine, on l'avait vu déjà en cours la dernière fois. Tac. On l'avait déjà vu en cours la dernière fois. Je regarde où j'en suis de mon chrono. Tac. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est en fait les informations liées à l'identité de mon site web. Alors ici, mon nom de domaine, c'est mondomaine.fr. Par exemple, mon nom de domaine sur mon site, c'est formateur-digital.com. Ça, c'est le nom de domaine. Le nom de domaine, en fait, vous remarquez bien, si jamais je vais par exemple sur un site web, tac, hop, alors forcément, voilà. Si jamais je vais sur un site web, par exemple, je vais sur Good Habits, hop, on a tout un tas de choses. Ici, en fait, on a un. Hop, alors forcément. Tac. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, on a un URL qui est super long. En fait, ici, on a le nom de domaine, et après, on a tout un tas de choses, tout un tas de codes, tout un tas d'éléments qui vont compléter le nom de domaine. Alors, si jamais je prends, par exemple, si jamais je prends le nom de domaine WordPress, je vais aller sur wordpress.org, et là, je vais avoir du coup mon nom de domaine WordPress.org. Ça m'envoie directement sur le site de WordPress. Le truc, c'est que WordPress, là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas, il n'est pas en français. Si je le veux en français, il va falloir que je tape le nom de domaine fr.wordpress.org. En fait, fr.wordpress.org, c'est ce que j'appelle le sous-domaine. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le sous-domaine. Le gros avantage du sous-domaine, c'est que ça va me permettre en fait de définir des versions de mon site sans avoir à acheter en fait un nom de domaine par version. Donc là, par exemple, j'ai la WordPress.org, c'est la version en anglais. Mais si je tape fr.wordpress.org, ça va me sortir la version en français. de.wordpress.org, ça va me sortir la version en allemand, et ainsi de suite. Donc les sous-domaines, je peux les créer à partir du domaine. Je n'ai pas besoin de les payer. C'est natif en fait une fois que j'ai construit, une fois que j'ai acheté mon nom de domaine. Donc c'est plutôt intéressant en cela, mais on va voir une petite problématique par rapport à l'histoire de ces noms de domaine. Le sous-domaine, donc ici, quand j'ai un sous-domaine, quand j'ai www.mondomaine.fr, en fait, le sous-domaine, c'est www. Ici, c'était WordPress, fr.wordpress.org, mais là, c'est www.
Le sous-domaine, en fait, il est intéressant parce que, comme je vous ai dit, il peut me permettre de faire différentes versions de mon site, il peut me permettre de faire mon site en différentes langues, mais il va avoir un impact sur le référencement. Et là, du coup, je reviens sur Wix et sur notre site Wix. Notre site Wix, donc je vais retourner là sur capture d'écran. Tac, hop. Notre site Wix, si je fais publier, voilà, là je vois en fait que pour accéder à mon site, il faut que je saisisse l'URL suivante. Donc http Jean-Patrick Mulonfaux, qui est en fait mon identifiant Wix, .wixsite.com/website7. Donc en fait, jeanpatrickmulonfaux.wixsite.com, c'est un sous-domaine de Wix. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous créez un site sur Wix, vous n'avez pas besoin de payer le nom de domaine. Le nom de domaine est gratuit pour la simple et bonne raison que Wix, en fait, vous met à disposition automatiquement un sous-domaine. Du coup, c'est génial parce qu'en fait, on peut créer un site sans avoir besoin de payer un nom de domaine. Le gros inconvénient, en revanche, c'est que, alors je vais mettre mon site tac ici. Le gros inconvénient de ça, c'est que si jamais, donc là je vais sur mon site, donc jeanpatrickmulonfaux.wixsite.com/website7, du coup là je tombe sur mon site. Le problème, c'est comment Google identifie que ce site-là est un site sur Stranger Things, à votre avis? Eh bien, il l'identifie pas en fait. C'est-à-dire que pour lui, le site que j'ai créé est un sous-domaine de Wix. Wix, en fait, est une plateforme de CMS, donc c'est une plateforme pour créer des sites web. Donc il n'identifiera pas, il se dira, bah tiens, c'est un sous-domaine, donc c'est un sous-ensemble, visiblement avec en plus un URL assez compliqué, parce que j'ai une page derrière, etc. Donc, ben, ce site-là, je ne vais pas le référencer parce que, en fait, je ne vois pas pourquoi je le référencerais, étant donné que c'est un sous-domaine de Wix et Wix est déjà référencé. Donc, ça veut dire, en fait, que si jamais vous voulez que votre site soit référencé, qu'il apparaisse dans les premières pages de Google ou en tout cas que Google puisse le classer, il va falloir, dans un premier temps, sur le site, mettre en place un certain nombre d'outils, mais il faudra impérativement disposer d'un nom de domaine qui soit dissocié de Wix. Donc du coup, pour résumer sur cette partie-là, sur le sous-domaine, si jamais je crée mon site sur Wix, afin de le rendre disponible et accessible au plus grand nombre et afin de permettre son référencement naturel, je vais devoir impérativement acheter un domaine qui ne soit pas rattaché à Wix. Donc, par exemple, je peux très bien acheter le domaine strangerthingsfan.org et ce domaine, s'il n'est pas déjà pris, je vous rappelle qu'un domaine, c'est unique sur Internet, donc s'il est déjà pris, je ne peux pas le louer, en fait, je ne peux pas le réserver. Si ce nom de domaine n'est pas pris, à ce moment-là, je vais pouvoir réserver ce site. Pardon, je vais pouvoir réserver ce nom de domaine et mettre mon site dessus. Donc, c'est indispensable que le site ait son propre nom de domaine et un nom de domaine qui soit le plus simple et le plus générique possible. Il y a autre chose aussi, c'est que si votre nom de domaine s'appelle strangerthingsfan.org, les gens, même s'ils vont dans Google, ils vont taper strangerthingsfan.org et forcément ça va le faire remonter. Comme il y aura des recherches, vous allez aussi remonter dans les résultats. Alors, comment on fait pour sur Wix pour disposer d'un nom de domaine qui ne soit pas le nom de domaine de Wix? Eh ben, c'est simple. En fait, il faut basculer sur une offre payante de Wix. Le nom de domaine, en règle générale, il coûte une dizaine d'euros à l'année lorsque vous le configurez vous-même. Mais sur Wix, c'est différent. Lorsque vous achetez le nom de domaine, vous devez passer par leur plateforme et donc du coup, ça va vous coûter un peu plus cher. Parce qu'en fait, vous ne payez pas que le nom de domaine, vous allez payer aussi le service de création du site web. Du coup, par exemple, si jamais je vais là sur booster mon site, il va me proposer ici une offre, par exemple, à, je sais pas, connexion à un domaine basique à 4,50 € par mois.
Voilà, donc je vais devoir payer les 12 mois d'un coup, donc je vais payer finalement une cinquantaine d'euros. Et cette cinquantaine d'euros me permettra en fait de pouvoir réserver un nom de domaine qui ne soit pas le nom de domaine de Wix. Et c'est l'une des premières conditions pour que mon site puisse remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Si bien que si vous travaillez sur le site web, un site web par exemple pour Gaco, pour un groupe de musique comme j'ai vu certains d'entre vous le faire, vous devrez passer par cette étape-là. 4,50 €, ça n'est pas grand-chose, en sachant que un site web, c'est important de voir comment vous allez pouvoir le rentabiliser en fait, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir le rentabiliser. Vous allez sûrement faire payer des choses derrière. Donc, soit c'est un site pour, je sais pas, votre BDE, vous allez faire des soirées, et du coup, vous allez forcément faire payer l'entrée. Avec la marge que vous aurez, vous allez pouvoir payer votre site web. En tout cas, un site web, rappelez-vous, c'est un support de communication et c'est quelque chose qui fait partie de mon investissement ou de l'investissement du projet entrepreneurial ou du projet de n'importe quel projet que vous avez d'ailleurs. Bien, bon, j'espère que ça va toujours. On va passer du coup, alors maintenant, on va rebasculer. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, voilà, donc on a vu le sous-domaine, le nom de domaine, l'adresse de la page, je ne redétaille pas le reste avec les protocoles, on n'en a pas besoin. Le plus important, on l'a vu, c'est d'avoir un nom de domaine sur Wix qui soit dissocié du nom de domaine de Wix. Bien, nous allons passer du coup sur une nouvelle partie du cours. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que la stratégie d'inbound marketing. On va refaire un point là-dessus. Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué en cours. Je vous ai déjà un petit peu expliqué le fonctionnement de cette stratégie inbound marketing en cours. Je vais le redétailler un peu plus précisément ici en utilisant un des schémas du cours. Je mettrai sûrement en téléchargement également par l'intermédiaire de Discord les différents contenus là, que je vous ai montrés pour que vous puissiez envisager de réviser. Alors, le contenu sur la stratégie d'inbound marketing. On y va pour ça. Hop, du coup, forcément, il faut que je cache des trucs. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que la stratégie d'inbound marketing? J'ai un étranger, en fait, qui est une personne lambda sur Internet. Cette personne, elle va, l'objectif, c'est de l'emmener à aller sur mon site web. Et, in fine, de l'emmener à acheter, évidemment. Donc, je vais utiliser plusieurs dispositifs pour ça. L'un des premiers dispositifs va être la publicité print. Donc les affiches que je peux voir partout à l'extérieur dans le métro, etc. Le deuxième dispositif va être tout ce qui est communication événementielle, donc rencontres sur les salons, ou sur les salons professionnels, sur le salon du mariage, si par exemple je fais des prestations de mariage, etc. La troisième possibilité va être les campagnes de communication en direction de ma cible, donc ça va être une campagne de newsletter. La quatrième possibilité va être les réseaux sociaux. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux ou sur un blog et j'emmène l'utilisateur à aller sur mon site web par, rappelez-vous, le call to action. Donc, l'étranger va devenir un visiteur de mon site. Sur les visiteurs, il y en aura une partie qui seront des prospects. Et sur cette partie qui seront des prospects, il y en a qui vont devenir des clients, puis des promoteurs. Cette stratégie d'inbound marketing, ça en gros définit le cheminement de l'utilisateur qui va passer de 100% étranger à client, puis à promoteur. Ça veut dire que s'il est étranger, il ne peut pas connaître mon site. Il va donc avoir plusieurs possibilités pour connaître mon site. Soit il va avoir une publicité directe, comme ce que je vous ai cité, soit il va réaliser une recherche sur un moteur de recherche et mon site va lui être proposé. Le gros avantage
de cette méthode, le gros avantage de tomber en premier résultat sur les moteurs de recherche, c'est que mon utilisateur, il a déjà un besoin. Il est déjà en fait dans une recherche, donc il est déjà proactif, il est déjà décidé à acheter. Et donc du coup, forcément pour les entreprises, le plus important, le plus crucial pour eux, c'est de se positionner au moment où l'utilisateur il va acheter. Dans cette mesure, c'est là où la stratégie de se positionner le plus, d'être le plus présent possible sur les moteurs de recherche, selon le type de cible et selon le type de requête, va être indispensable. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les méthodes de classement. C'est-à-dire, ok, bon, j'ai bien compris que mon utilisateur, quand il fait une recherche sur Google, c'est qu'il est prêt à acheter. J'ai bien compris ce que tu nous expliquais avec le nom de domaine sur Wix. Maintenant, on va voir dans le site qu'est-ce qu'on doit optimiser finalement pour améliorer le référencement et pour le rendre le plus optimal. Alors, ce petit schéma, vous allez pouvoir le retrouver sur Internet. Il va un petit peu vous donner les éléments de comment doit fonctionner le référencement, ou en tout cas sur quoi va s'appuyer le moteur de recherche pour référencer votre site. C'est simplifié, donc il n'y a pas ici tout, mais il y a les grands axes. Et du coup, je vais enlever ma caméra pour que vous puissiez voir l'intégralité du graphique. Hop. Alors, on y va. Donc, je vous donne l'ensemble des éléments. On ne va pas passer très très longtemps, mais globalement, ça parle de. Enfin, le schéma parle de lui-même. La première chose, c'est effectivement quel mot-clé il va utiliser. Le mot-clé, je dois le retrouver sur Internet. La deuxième chose, ça va être ce qu'on appelle le linking. Le linking, c'est-à-dire Google va se baser en fait sur le nombre de sites qui parlent de moi, pour définir en gros un score et me placer en première, deuxième, troisième, dernière position. Alors, je vous parle ici bien sûr du référencement SEO, donc du référencement organique. Je ne paye pas pour avoir tout ça. Je mets en place les éléments sur mon site internet pour remonter dans les résultats du moteur de recherche. Le linking, c'est super important. C'est un petit peu comme ce que vous imaginez avec la popularité quand vous êtes à la fac ou au lycée. C'est-à-dire en gros que vous arrivez dans votre classe et puis si personne parle de vous, en fait, ça ne va pas trop donner envie de vous connaître et vous ne serez pas très populaire. Par contre, si énormément de gens parlent de vous, ça va forcément susciter l'intérêt. Et donc, ça va donner envie aux gens de vous rencontrer et de vous connaître. Donc, forcément, ça va créer de l'audience. Et ça, Google l'a bien compris. Si jamais dans d'autres sites web, il y a des, ça parle de vous, ça renvoie vers votre site, forcément, ça va déjà augmenter le trafic, ça va drainer plus de trafic. Mais en plus de ça, Google va en tenir compte parce qu'il va définir que vous êtes populaire. Il y a le maillage. Le maillage, en fait, c'est la structure de mon site web, c'est-à-dire la manière dont le site est agencé. Si jamais j'ai un site avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, une très grosse arborescence, comme on l'a vu en cours, ça va causer un problème parce que, en fait, je vais pas pouvoir. Enfin, l'arborescence va être trop complexe et du coup, Google va désévaluer le ranking du site. Donc, il faut que le maillage soit le plus simple et le plus optimal possible. D'accord? C'est pas le nombre de pages qui va faire que je vais être bien référencé ou pas. C'est la propreté du site. Aujourd'hui, on est sur des algos qui sont suffisamment poussés pour évaluer ces choses-là. Optimisation HTML, ça, on va le voir ensemble et du coup, je pense qu'on le verra peut-être enfin, on va le voir dans la deuxième partie du cours. C'est quoi l'optimisation HTML? L'optimisation HTML, ça va être tout simplement comment je vais configurer mon site d'un point de vue HTML, donc au niveau du code et au niveau de ce qu'on appelle les balises, pour permettre à Google d'identifier le plus précisément possible quels sont les sujets qui sont traités dans mon site web et quels sont les types de contenus que je diffuse. Plus il sera capable d'identifier et de classer les éléments de mon site, plus il va me donner un score qui sera haut. J'en profite également pour vous préciser un petit élément là-dessus. Forcément, si jamais vous avez 50 sites qui parlent des wedding planners en Afrique du Sud,
Et ben en fait, il y aura forcément beaucoup plus de chances que vous soyez mieux référencé que si jamais vous décidez demain de créer un site qui va parler du coronavirus. Parce que forcément, il y a déjà énormément de sites qui existent et qui sont diffusés et qui sont déjà probablement de très bonne qualité. Tout l'enjeu va donc être de se positionner sur un endroit où il y a également de la place afin que vous puissiez en monter dans la visibilité. Je bascule sur l'ergonomie. L'ergonomie, on l'a vu ensemble, c'est la navigabilité du site, c'est le temps de chargement, c'est est-ce que les contenus sont pas trop lourds, c'est est-ce que le site s'affiche correctement, est-ce qu'il est prévu aussi bien pour ordinateur, tablette ou smartphone, c'est tout ça. Les feedbacks, donc les feedbacks, ça va être ben, en gros toutes les évaluations du site. Les éléments que vous avez sur votre site, par exemple sur TripAdvisor, vous allez avoir une classification des hôtels en fonction de la qualité de leurs prestations et de leurs services. Et donc, bah forcément, plus il y a des éléments qualitatifs, alors Google le fait aussi, plus Google va essayer de mettre en avant enfin, le site web, ce qui est logique puisque si Google vous propose des résultats de bonne qualité, vous allez continuer à aller dessus et vous allez continuer à l'utiliser. J'en profite également pour vous préciser que Google est interdit en Chine et que, effectivement, c'est un moteur de recherche qui est le premier moteur de recherche utilisé en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Il va y avoir ma stratégie globale. Effectivement, plus je vais avoir de trafic sur mon site web, plus Google va se dire tiens, ce site il a de l'importance. Donc, définir une campagne SEO uniquement ne sera pas suffisante parce qu'en fait, si jamais je fais de la publicité print, si jamais je fais des salons, je vais générer plus de trafic. Ce trafic va être enregistré dans les moteurs de recherche parce que la plupart du temps, les gens, quand ils vous voient sur un salon, qu'ils voient une publicité, ils vont taper votre nom sur Google, ils vont pas taper l'URL. Et donc, du coup, ça va forcément passer par Google, donc ça va augmenter votre visibilité. Les réseaux sociaux, je vous rappelle du système et de la stratégie inbound marketing, les réseaux sociaux sont le premier drain pour toucher une communauté, pour créer une communauté, et ça va être aussi l'élément de bascule pour switcher des réseaux sociaux vers mon site web. Et donc du coup, Google va aussi tenir compte de cette passerelle qu'il existe entre les réseaux sociaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien une page de mon site web sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a bien la possibilité sur mon site web d'accéder aux réseaux sociaux et vice-versa? Et d'avoir en fait une offre et une proposition globale média. Le contenu, c'est une chose qui est très importante. Ça, en fait, c'est le fondamental de votre site, c'est la base. Ça va être donc les quatre types de contenu que je vous ai cités, donc images, son, vidéo et texte. Et le contenu dans sa qualité, le contenu dans sa cohérence et dans sa pertinence va permettre en fait de proposer une expérience utilisateur la meilleure possible et donc forcément va être mis en évidence sur le moteur de recherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir du contenu de qualité? Ça veut dire bien sûr identifier mon contenu par l'intermédiaire des balises, ça on va le voir. Mais ça va être aussi proposer un contenu qui va permettre d'amener l'utilisateur petit à petit à rentrer dans votre site et à convertir. Et tous ces éléments, en fait, Google, il peut les intégrer, il peut les analyser par notamment des algorithmes que je vous montrerai en deuxième partie. Et donc, du coup, le contenu joue un rôle prépondérant. Et le contenu est aussi très important pour l'utilisateur. Le suivi de trafic. Alors, il existe des outils de suivi de trafic qui me permettent en fait de voir de manière quotidienne, quasi instantanée, le trafic qu'il y a sur mon site internet. C'est-à-dire, est-ce que les gens se connectent? Est-ce qu'ils se connectent puis quittent la première page? Auquel cas, j'aurai ce qu'on appelle un taux de rebond assez important. Ou alors, est-ce qu'ils poursuivent leur navigation? Je vous avais déjà donné la définition du taux de rebond, mais je vais vous la redonner. Donc, vous pouvez noter, le taux de rebond, en fait, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui quittent le site web dès la première page.
Et ça, Google, il y attache beaucoup d'importance au taux de rebond. Il y attache beaucoup d'importance parce qu'en fait, si l'utilisateur quitte la première page et ne poursuit pas sa navigation, c'est-à-dire que soit le contenu n'était pas intéressant ou pertinent, soit le site n'était pas approprié, soit c'était du spam, soit l'ergonomie n'était pas bonne, soit il y a eu un bug, etc. Et donc du coup, Google est très attaché à cet indicateur et il va forcément jouer sur le positionnement de votre site. Et le suivi de trafic permet en fait d'identifier ce genre de choses. Voilà, la visibilité, bon ben oui, ça c'est logique. Plus votre site est visible, plus il génère de trafic, plus il génère de trafic, plus il est référencé. Et enfin, l'optimisation de votre site web. Je l'aurais pas mis sur une séquence là comme. Enfin, je l'aurais pas mis sur une branche comme ça a été précisé. Je dirais que l'optimisation de votre site web, c'est l'intégralité de tout ce qu'on a vu sur cette roue de la du référencement SEO. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser via Discord, je le rappelle. Et donc du coup, on va pouvoir poursuivre sur la suite, c'est-à-dire l'utilisation et la configuration de Wix. Vous allez voir que c'est assez simple en fait de configurer Wix pour le référencement. Néanmoins, il faut le faire proprement. Alors, la configuration du référencement de Wix est particulièrement importante puisque je vais me baser là-dessus pour évaluer une partie du site. C'est-à-dire que dans mon barème, il y a une section qui est destinée au référencement et donc du coup, je vais vérifier que vous avez bien intégré tous les critères de référencement. Je vais donc revenir sur la capture d'écran, tac, et je vais revenir également. Ici. Coucou. Alors, passons maintenant sur le référencement de Wix. Donc, Wix et son référencement. La première des choses qu'on va voir, donc je vais revenir sur mon éditeur de Wix et sur Stranger Things. Admettons, j'ai créé l'intégralité de mon site. L'intégralité de mon site, donc j'ai développé mon site en entier. Pour le rendre accessible sur Internet. J'ai décidé d'acheter un nom de domaine parce que, comme vous l'avez vu, l'achat du nom de domaine va me permettre de détacher mon site Internet de Wix, du sous-domaine de Wix, et donc va optimiser le référencement. Après, qu'est-ce que je dois faire pour mon référencement? Alors, la première des choses importantes, c'est qu'il va falloir préciser au moteur de recherche, quand il va analyser les textes, est-ce que ce texte-là, par exemple Stranger Things ici, est très important? Est-ce qu'il est moyennement important? Est-ce qu'il est peu important? Est-ce que cet élément-là, ce texte-là, est un titre ou un paragraphe? Est-ce que dans ce paragraphe, il y a des mots-clés qui sont très importants? Donc la première des choses que vous pouvez noter, vous pouvez reprendre votre cours, vous allez écrire en fait que afin d'optimiser le référencement de mon site, je vais identifier par l'intermédiaire de balises HTML les différents types de contenus textuels. Donc je vous le redonne. Afin d'optimiser le référencement de mon site sur la partie texte, je vais par l'intermédiaire des balises HTML préciser sur chaque texte à quoi il correspond. Donc préciser si le texte est un titre, si c'est un paragraphe, si ce mot est important ou pas, etc., etc. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on arrive quand même à des phases un peu délicates parce que ben, il faut être développeur pour ça. Il faut connaître un petit peu le HTML. Mais vous allez voir en fait qu'avec ce formidable outil qui est Wix, on n'a pas besoin de connaître le HTML pour pouvoir optimiser le référencement. La première des choses, en fait, ça va être de bien identifier, quand je sélectionne mon texte, de bien identifier quel type de titre ou d'éléments j'ai.
Alors ça, vous allez double-cliquer en fait sur votre texte. Je vais attendre un petit peu pour que vous puissiez prendre votre site. Une fois que vous avez double-cliqué sur votre texte, vous avez ici des paramètres qui se trouvent juste là. Tac. Et donc dans ces paramètres, en fait, on va avoir un certain nombre d'éléments. On va avoir des éléments de style, comme par exemple la taille de la police, comme par exemple la police. Vous voyez ici, je peux changer les polices, mettre des polices pas très lisibles. Donc tout ça, c'est des éléments de style. Mais je vais avoir aussi des éléments qui vont être plus en lien avec le référencement. Ici, j'ai ce qu'on appelle le thème. Et dans le thème, j'ai plusieurs propositions. J'ai titre 1, titre 2, titre 3, 4 et 5. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, le titre, ça va juste jouer sur la taille de la police. Effectivement, si je change mon titre ou je mets paragraphe, ça va jouer un peu sur la taille et sur la dimension de la police. Mais pas que. En fait, le choix de cet élément-là, le choix du thème dans Wix, est un élément qui permet d'optimiser le référencement. Donc ça, vous pouvez le noter. Le choix du thème sur Wix, c'est un élément qui vous permet d'optimiser le référencement. Donc par exemple, le titre générique, le titre principal de mon site, je vais le préciser comme étant le titre de niveau 1. Ça veut dire que c'est un titre important. Et après, je peux changer la taille de la police comme je veux. Ça, c'est un élément de style, c'est pas très important. Par contre, effectivement, je vais bien préciser que ceci est un titre de niveau 1. Ensuite, je vais préciser là sur mon paragraphe, j'ai un paragraphe de texte, je vais préciser ici que ce titre est un titre... Je vais préciser ici que ceci est un paragraphe. Donc, je ne vais pas sélectionner des titres, mais je vais bien sélectionner un paragraphe et je vais cliquer dessus. Ici, j'ai bien identifié mon titre de niveau 1, mon paragraphe, et donc ça revient à ce que je vous montrais tout à l'heure. Tac, hop, tchouk. Ça revient bien à ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est en fait l'optimisation HTML qu'on a tout à droite. Et il faut faire ça, évidemment, pour tous les textes, puisque c'est un élément qui va me permettre d'optimiser le référencement de mon site. Ça, c'est le premier élément que vous devrez faire lorsque vous allez créer vos sites sur Wix. Il y a un deuxième élément très important. Le deuxième élément qui est super important sur Wix, ça va être en fait de définir les descriptifs de vos images. Alors, on va y aller. Hop, je vais intégrer ici une petite image. Et cette image, on va regarder ensemble les éléments liés, associés à cette image. Donc, je crée mon image. Hop, voilà, on va imaginer que c'est une petite image d'illustration. Alors ça, je vais le grouper. Je ne peux pas le grouper, bon, pas de chance. Hop, voilà. Alors, je mets ma petite image d'illustration ici. Donc là, j'ai toutes mes configurations possibles, tous les éléments possibles. Ici, donc, je vais regarder un petit peu comment je peux configurer mon image et comment et quels éléments je peux lui donner. Donc pour ça, je vais aller sur la petite roue. Je vais aller en fait dans paramètres. Et dans paramètres, il va me proposer un certain nombre d'éléments. Il va me proposer par exemple d'ajouter un lien à cette image. Ça, c'est si jamais je veux cliquer sur l'image et que ça m'amène ailleurs. Mais ce n'est pas nécessaire. Je peux juste avoir une image sur mon site web qui soit une image d'illustration. Ensuite, il y a marqué, c'est très simple, décrivez votre image pour Google. Donc là, alors, je ne sais plus comment s'appelle cette actrice de Stranger Things. Voilà, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Elle s'appelle évidemment, elle n'est pas ici. Voilà, elle s'appelle Nancy Wheeler. Donc du coup, je vais mettre ici Nancy Wheeler ou portrait Nancy Wheeler. Voilà, du coup,
J'ai décrit mon image, ça me permet en fait d'optimiser le référencement. Je peux également mettre un texte dans une infobulle. Cette partie-là est aussi très importante. Elle va aussi jouer sur le référencement, mais elle ne va pas directement être analysée par Google. Décrivez votre image pour Google, va être analysée par Google. Il va dire portrait de Nancy Wheeler. Ok, Nancy Wheeler, c'est Stranger Things, donc du coup, c'est cohérent, donc du coup, ça tient la route. Ok, donc ça, pour moi, ça fonctionne. Une deuxième chose, on va pouvoir définir... Tais-toi. On va pouvoir définir ce qu'on appelle un texte d'infobulle. Alors, je regarde aussi sur quel temps on est. Le texte d'infobulle, en fait, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité à l'informatique pour tous. C'est-à-dire que les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes vont pas forcément avoir la possibilité de voir le contenu. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont poser leur pointeur de souris sur un contenu, ou lorsqu'ils vont, ça le fait aussi avec les téléphones, positionner leurs doigts sur un des éléments, ça va donner une indication audio du contenu. Et donc, du coup, il y aura une voix synthétique, en fait, qui va annoncer le type de contenu qu'ils sont en train de consulter. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'accessibilité à l'informatique pour tous. Ces éléments-là sont pris en compte dans le référencement, évidemment, puisque, bah, en fait, si jamais votre site n'est pas accessible à l'informatique pour tous, bah, il y aura une partie des personnes qui n'y auront pas accès. Il est d'autant plus important si jamais c'est un site, par exemple, d'une association, un site hospitalier, etc. Donc, l'informatique accessible pour tous va passer aussi par une description des contenus. Et ici, on va bien préciser dans la photo qu'il s'agit d'un portrait de Nancy Wheeler. Les images sont également à décrire et à préciser sur chaque élément de mon site web. Donc ça, c'est pareil, c'est une des choses dont j'attacherai de l'importance lorsque je vais corriger votre site web et que je vais vérifier la structure du site. Et donc forcément, ça va jouer sur la note. Alors, il y a un élément supplémentaire qui s'appelle la requête. On va regarder un petit peu ensemble cet élément-là, qui sera d'ailleurs le dernier élément du cours, puisqu'on arrive à une heure. Donc, je vais terminer avec ce système de requêtes. Et dans le prochain cours, on terminera sur la partie référencement et on verra les outils en ligne. Donc, lorsque j'ai optimisé tous mes contenus, donc lorsque j'ai bien défini les descriptions pour mes photographies, pour mes contenus, les types de titres, les types de paragraphes, les types de textes. À ce moment-là, je me retrouve en fait avec... Alors, je peux le faire aussi pour les vidéos, hein, c'est la même chose. À ce moment-là, je peux le faire également pour ma page web. Je reviens rapidement sur Google pour cet élément-là. Ma page web, en fait, lorsque je vais taper par exemple site, par exemple voiture électrique, tac, il va me proposer toute une série de sites web et de liens. Alors, regardez bien, par exemple, si jamais je clique, donc là, en organique, je tombe sur le site de Peugeot. Tac, je vais vous le grossir un petit peu pour que vous voyez. Je tombe sur le site de Peugeot. Là, si je clique ici, où est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer non pas sur le site, désolé, il va me renvoyer non pas sur le site de Peugeot, il va pas me renvoyer sur l'accueil de Peugeot, il va me renvoyer sur la page Peugeot, gamme de prestations, voiture électrique. D'accord? Et ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'en fait, il va falloir définir en fait où est-ce que Google me renvoie quand je référence mon site web. Parce que évidemment, si jamais je tape voiture électrique et je tombe sur Peugeot et qu'après je dois encore dans la navigation passer par 18 étapes pour tomber sur les voitures électriques, ça va poser un problème d'ergonomie. Donc dans cette dynamique-là, il est très important que Google référence la bonne page. Donc ça veut dire qu'il faut que j'indique les différents types de pages que je veux référencer à Google. Il y a des pages que je ne vais pas ou peu référencer, comme par exemple les mentions légales, les pages à propos. Ces pages-là, ce sera moins intéressant, moins pertinent que je les référence.
Par contre, il y a des pages ou des catégories ou des sections, comme pour Peugeot, qui vont être très importantes que je référence correctement. Passons donc sur Wix et sur le mode de fonctionnement pour ce système-là. Donc ici, je vais cliquer dans Menu et Pages, et dans Menu et Pages, vous voyez qu'on a effectivement tous les éléments que j'avais sur mon site. Donc là, j'ai tous les éléments ici sur mon site, et donc du coup, je vais pouvoir définir mon référencement par rapport à ça. Donc évidemment, je vais être plutôt enclin à référencer prioritairement la page d'accueil. Et ensuite, je vais voir pour les autres pages. Une page sur laquelle, donc ça vous pouvez le noter dans votre cours, une page sur laquelle je tombe en venant des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, ou des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une landing page. Donc la landing page, je vais vous le noter, tac. Donc, hop, c'est la landing page. Donc ça, c'est la page sur laquelle j'atterris. J'atterris, hop. Lorsque je clique sur un lien en provenance des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est ma landing page. Alors, la landing page, donc oui, j'ai mon Discord qui est ouvert et forcément j'ai les autres éléments, établissements, tac, qui sont là. Donc, la landing page, donc ici on va imaginer que ma page d'accueil peut être une des landing pages de mon site web. Et donc, du coup, je vais cliquer sur référencement. Et dans référencement, il va me proposer un certain nombre d'éléments. On va les voir ici et puis on s'arrêtera sensiblement ici puisqu'on arrive à une heure de cours et j'aurai terminé cette partie-là sur le référencement Wix. Donc ici, je vais définir quelle est la dernière partie de l'URL ou ce qu'on appelle le slug de la page. Le slug d'URL, c'est la dernière partie de l'URL. Si par exemple, ici, je vais sur le site de Peugeot, c'est ce qu'on avait fait ici, l'URL, c'est ça. Et en fait, le slug d'URL, c'est le dernier élément de la page. En fait, c'est souvent la page qui est ouverte. Donc ça, vous pouvez noter, le slug d'URL correspond... Le slug d'URL correspond à l'intitulé de la page que l'on retrouve à la fin de l'URL. Donc vous pouvez le noter, le slug d'URL correspond à l'intitulé de la page que l'on retrouve à la fin de l'URL. Donc ici, le slug d'URL, c'est électrique. Si jamais je prends par exemple un autre site, par exemple WordPress, je vais aller dans « À propos ». Tac. Ici, mon slug d'URL, c'est about. Donc, j'ai fr.wordpress.org/about. Le slug d'URL, ici, c'est about. Si je prends, par exemple, extension, le slug d'URL, ici, ce sera plugin, et ainsi de suite. Vous avez compris le truc, c'est pas très compliqué. Donc, je retourne ici. Donc là, mon slug d'URL, il faut que ce soit cohérent avec mon site web. Donc, je vais bien préciser accueil. Souvent, il s'écrit... tout seul. Et ici, en fait, ça va être le nom de mon site. Donc ici, vous comprenez bien que STCopy, c'est pas top. Donc, je vais marquer ici Stranger Things fan site, qui va être en gros le site des fans de Stranger Things. Ça veut dire que ici, le nom de mon site, l'intitulé de mon site original n'est pas le bon et qu'il faudra que je le modifie. Voilà, donc ici, j'ai un aperçu de ce que ça donne sur Google. Et je vais enfin mettre une description pour que quand Google puisse identifier et mettre mon site en évidence, il soit affiché correctement avec le bon slug d'URL
qui soit simple. Il ne faut pas que mon slug d'URL, il y ait des numéros, des pourcentages, des machins et tout, parce que ce sera le bazar et ça ne va pas améliorer le référencement. Donc un slug d'URL facilement compréhensible, simple, accessible. Je mets également le nom de mon site ici, d'accord ? Et je peux séparer par une barre verticale. Et enfin, ici, je vais mettre un descriptif de mon site. Souvent, je vais mettre une description qui correspond à la description que j'ai dans la première page de mon site. Parce qu'en fait, la cible va s'attendre à trouver une description qui est similaire. Donc là, par exemple, je vais prendre up ici le texte qui est là, le texte d'introduction de mon site, et je vais en intégrer une partie sur l'élément de référencement de la page d'accueil. Hop, voilà. Donc, je vais enlever bonjour à toutes et à tous. Tac, bienvenue sur le site fan, le fan site de Stranger Things. Vous y retrouverez les résumés des épisodes, les dates des événements sur Paris et plein d'autres surprises. Tac, hop. Voilà, et donc du coup, j'arrive sur cet élément-là. Vous voyez que ma description est un petit peu longue. Donc, je pourrais la réduire. Vous y retrouverez les résumés de la série et plein d'autres surprises. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Tac. Voilà. Donc ici, mon descriptif de page est complet. Et donc après, je vais descendre et je vais dire « Afficher cette page dans les résultats de recherche ». Évidemment, oui. Alors, je ne peux peut-être pas le faire, parce qu'il faut que j'aille dans les éléments de référencement SEO. Tac. Permettre au moteur de recherche d'inclure votre site dans leurs résultats. Donc là, je vais ici, statut référencement, valider le statut référencement. Si je ne valide pas le statut référencement, dans référencement ici, je ne pourrai pas ici indiquer que mon site peut afficher cette page sur les moteurs de recherche. Et une fois que ça sera prévalidé, normalement, on pourra valider ça. Je vais m'arrêter ici pour la partie référencement. Donc, petit rappel très simple et très succinct sur Wix. Premièrement, vous devez indenter ou vous devez identifier les balises HTML sur vos différents contenus texte. Donc, ça veut dire quel type de texte, de quel type de texte il s'agit. Est-ce que c'est un titre? Quel niveau? Ou est-ce que c'est un paragraphe? Vous allez devoir préciser une description pour Google sur vos photos et également une description pour les infobulles qui est pour l'accessibilité à l'informatique pour tous. Vous pouvez le faire également pour vos vidéos. Et enfin, vous allez également optimiser le référencement page par page en validant l'affichage des pages sur les différentes... par exemple, à propos, vous n'aurez pas besoin de l'afficher sur les moteurs de recherche, mais les autres, oui. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez sensiblement bien avancé dans le référencement et vous permettrez au site d'avoir une meilleure visibilité. Je vous rappelle que ceci n'est possible que dans la mesure où vous avez un nom de domaine qui soit détaché de Wix, parce que si votre nom de domaine est rattaché à Wix, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne sera pas correctement référencé. La prochaine fois, du coup, on verra donc la deuxième partie du cours qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. On va découvrir ensemble les outils de mesure SEO et SEA, donc Google Analytics et Google AdWords. Ce sont des éléments qui sont très utilisés en entreprise. Ce sont des éléments que vous pouvez mettre en évidence dans votre stage, dès lors que vous aurez suivi correctement ce cours, puisque ce sont des éléments qui permettent aux entreprises de faire un suivi précis de leur positionnement web et donc de leur stratégie marketing. Voilà pour cette première partie. Pour information, trois choses importantes. La première, je vais noter l'ensemble des cours que l'on aura fait ensemble. Donc, je vais noter ce cours-là dans le suivi de séance que je mettrai aussi probablement à votre disposition pour que vous puissiez faire un suivi rigoureux de vos séances et voir un peu ce que vous avez fait à chaque séance de cours. La deuxième chose importante, c'est que là, on est à 1h10 de temps. Donc, on va pouvoir ensemble
regardez un petit peu vos projets de site, je vais pouvoir répondre à vos questions sur le compte Discord. Je vous invite donc à avancer, à travailler sur votre site web, éventuellement à me poser vos questions. Je vais vérifier vos présences sur le compte Discord. Donc c'est très important que vous soyez présent, que vous soyez en ligne. Et je suis là, donc je suis disponible jusqu'à la fin de cette deuxième heure pour pouvoir répondre à vos questions, vous aider éventuellement si vous avez des soucis sur l'optimisation du référencement et avancer sur la conception de votre site web. J'en profite également, et c'est très important que vous fassiez ça, vous devez impérativement maintenant écrire, remplir le formulaire avec votre projet de site, la description du projet et le nom du binôme, parce que moi j'en ai besoin pour vérifier sur quoi vous êtes parti. Si jamais vous avez des questions également sur votre projet, que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr ou vous avez peur que ce projet-là ne corresponde pas, envoyez-moi vos questions sur Discord et j'y répondrai au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous retrouve tout de suite.